Et pas là pour les pionniers. Fait des passes entre les défenseurs. Ouh, la passe à KFI de couper à part, par Campbell qui tout de suite envoie le pétrole à Kakata. Le premier but. Le premier but. Freeman. Bi encore. Freeman. Allez, Besson. Et but. L'égalisation. L'égalisation. But de Eric Ekbi. Pour Bouchard. Bouchard qui prend le tir. C'est dévié du carré là par Sabol. Les Angevins toujours avec ah, Monique qui tire. But du défenseur Angevin sur la passe de Maxime Lacroix. Le numéro 28 qui la met au fond. On va pouvoir revoir tout ça au ralenti. C'est allé très vite. Amonique était complètement tout seul. On le voit à la bleue. On voit la croix derrière les cages qui la donne à son défenseur. Et, voilà. Et ça va passer entre les jambes du portier Chamoniard. Et tout de suite les Angevins à la bleue. Brillant qui laisse passer pour Cazarine. Cazarine pour Fauchon. Et but ! L'égalisation de Fauchon. Quel beau jeu l'a proposé par le pionnier. Le numéro 22. Qui vient donc égaliser ici à Richard Bozon. On va revoir tout ça au ralenti. Et une nouvelle fois les pionniers là qui viennent trouver le fond des filets entre les jambes de Florian Hardy. Et cette fois-ci c'est le numéro 22 donc Fauchon. Une jolie passe de Paris Sabol. Masson. Masson, quelle passe pour, pour Robin Gaboury là qui vient trouver le fond des filets Chamoniard. Avec la cage totalement grande ouverte. Effectivement. Sur une jolie passe de Clément Masson, on va voir tout ça au ralenti. La Masson qui feinte le tir et qui trouve Gaboury tout seul de l'autre côté. Ouais, c'était bien fait hein, de la part des Angevins. Et c'est engagement gagné par les Montagnards avec Dimitchek qui prend le tir. Et but Dimitchek. Et ça va pas traîner. Égalise ouais. De suite au bout de 4 secondes de supériorité. Ouais, Dimitchek qui va prendre le tir à la bleue. Et il me semble que ça a été dévié là par le numéro 18 Angevin, là, Albert, Julien Albert là, qui a voulu venir contrer ce tir et malheureusement pour lui qui va juste dévier le palais au fond de ses filets. On va voir ça, Kimicek qui va prendre le tir et on voit Albert là, qui fait l'effort, là, qui tend sa jambe avec la crosse et qui touche le palais. Et le palais qui file en Hardy. Ouais, bel arrêt de Flo Hardy. Cazarine qui prend le tir, c'est dévié devant la cage par Briand et but de Briand. Après 2 minutes de jeu dans ce troisième tiers. Alors là on peut voir Florian Hardy là qui est très remonté contre la décision des arbitres. On va voir tout ça au ralenti. La récupération des pionniers. Le tir qui est pris par Cazarine et Briand qui vient dévier. Et c'est fini. Et voilà. On va rester là. La qualification des pionniers ce soir après un énorme match des deux équipes. Magnifique match. Allez, deux équipes qui se sont rendues.